On entend parfois dire qu'Internet ne pollue pas. Qu'en est-il réellement? Allons voir les chiffres. On estime qu'en 2017, il y avait entre 1,7 et 2 milliards d'ordinateurs fixes, portables ou tablettes, 4 à 5 milliards de smartphones, 6 à 7 milliards d'objets connectés, soit plus d'appareils utilisant l'Internet que d'êtres humains. À ces appareils, il faut ajouter 800 millions d'équipements réseau, comme les routeurs ou les box ADSL pour les faire fonctionner, et environ 60 millions de serveurs hébergés dans des data centers. En prenant uniquement en compte la fabrication et l'utilisation des équipements, le secteur du numérique représentait environ 4% des émissions de gaz à effet de serre, à comparer au transport aérien qui en émet 2%, avec un taux de croissance de ces émissions de 8% par an. Et à peu près 3% de la consommation énergétique mondiale. Parmi nos usages quotidiens, on calcule qu'envoyer un mail court avec une pièce jointe de 1 mégaoctet équivaut à l'utilisation d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Ou encore que visionner un film haute définition d'une heure sur votre smartphone revient à laisser cette ampoule allumée pendant 250 heures. En d'autres termes, depuis que vous avez lancé cette vidéo, vous avez consommé l'équivalent de plus de 6 heures d'une ampoule électrique de 60 watts. À cela s'ajoutent les effets de la production sur l'environnement. Pour obtenir la quantité de métaux et de métaux rares nécessaires à la fabrication d'un ordinateur de 2 kg, il faut extraire 800 kg de roches, utiliser 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau. Et pour recueillir seulement 6 des 50 métaux rares nécessaires à la fabrication d'un smartphone, il faut extraire l'équivalent de 40 fois son volume de roches. Donc non, contrairement à ce que l'on croit souvent, l'utilisation d'Internet a un impact très fort sur l'environnement. Thank you.
Polluer avec ma consommation numérique, je pense qu'il faut qu'on essaie de réduire le nombre de mails, de vidéos, de fichiers téléchargés. Aujourd'hui, Consomac vous informe sur la pollution numérique. Elle provient à 75% de la production d'équipements et à 25% de la phase d'usage. Un foyer détient en moyenne 5 équipements numériques, téléphone, tablette, ordinateur, avec un impact écologique important.
Une consommation durable, c'est vivre sans surconsommation numérique. Il est recommandé d'acheter moins d'appareils, par exemple de ne pas changer de téléphone tous les 2 ans. Le bonheur ne réside pas forcément dans la surconsommation de produits des nouvelles technologies. Autre point de vigilance, l'utilisation faite de nos équipements numériques. Il faudrait pour commencer limiter la consommation d'énergie importante qu'ils entraînent. Ne laissez pas vos équipements allumés en permanence. Éteignez-les et débranchez-les. Pour une absence moins longue, mettez-les en veille. Fermez le plus souvent possible l'interrupteur d'alimentation de votre télé ou de votre box. Le redémarrage ne prendra que quelques secondes. Réglez votre ordinateur et, quand c'est possible, votre smartphone en mode économie d'énergie. Diminution de la luminosité de l'écran, mise en veille automatique après 10 minutes d'inactivité, écran de veille noir. Limitez le nombre de programmes ou d'onglets ouverts et inutilisés. Désactivez les fonctions GPS, Wi-Fi, Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette quand vous ne vous en servez pas. Ou mettez-vous en mode avion. Désactivez le Wi-Fi de votre box dès que vous n'en avez pas l'utilité. Branchez vos équipements, ordinateur, imprimante, box, sur une multiprise à interrupteur et éteignez-la. Sinon, même éteint, vos équipements continuent à consommer. Enfin, maîtrisez l'envoi et le stockage des données. L'impact environnemental de l'envoi d'un mail dépend du nombre de destinataires, du poids des pièces jointes et de son temps de stockage sur les serveurs. Multipliez par 10 le nombre de destinataires, pas multiplié par 4 son impact environnemental.